en se constituant, le regroupement de Bénin s'était fixé comme, entre autres objectifs, de professionnaliser, responsabiliser et autonomiser les médias en ligne au Bénin. Et c'est justement dans ce cadre qu'il faille se faire une idée de l'essentiel et de l'existant. C'est-à-dire quoi? Nous avons des membres qui sont, au niveau de notre regroupement déjà, Regroupmed, mais on a observé que depuis qu'on a mis en place ce creuset, il y a eu une flopée d'innovations dans le secteur numérique qui, de jour en jour, occupe l'espace. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire un recensement global pour avoir à la date d'aujourd'hui un fichier qui puisse nous renseigner de façon concrète et exhaustive sur tous ceux-là qui exercent au Bénin dans le secteur du numérique. Donc, ce recensement vise essentiellement cet objectif. Et puis, nous entendons aussi, à l'issue de ce recensement, mettre en place le répertoire des médias digitaux du Bénin afin de trouver les voies et moyens pour négocier avec nos partenaires des séminaires de formation, des ateliers et autres pour mieux professionnaliser le secteur du numérique. Pour s'inscrire dans le cadre de ce recensement, il suffit déjà d'être un média qui utilise Internet comme canal de diffusion. Alors, il faudrait aussi que ce média consacre au moins 50% de ses productions à l'actualité béninoise. Parce que essentiellement, nous sommes au Bénin, donc ce n'est pas un recensement qui vise les organes qui ne sont pas basés au Bénin. Donc, il faut que l'organe soit basé au Bénin. Il faut que l'organe, dans ses productions, s'intéresse à au moins 50% à l'actualité du Bénin. Qu'il s'agisse d'agences de presse, d'une web TV, d'une web radio, des journaux en ligne ou autres portails web, tous ceux-là sont concernés par ce recensement. Alors, tous ceux-là sont concernés par ce recensement. Je sais qu'au niveau de la presse en ligne, il y a des pub players, c'est-à-dire des gens, des sites qui ne diffusent qu'en ligne. Il y a aussi des sites adossés, c'est-à-dire il y a déjà un organe de presse traditionnel et on fait une vitrine vers le web en créant un site. Est-ce que tous ceux-là sont appelés à se faire recenser ou bien c'est seulement ceux qui diffusent exclusivement en ligne? Alors justement, merci pour la question. C'est déjà d'ailleurs la spécification ou la spécialité du Repromed. Au niveau du Repromed, c'est essentiellement les pub players. Alors, ce recensement ne se limite pas seulement aux pub players. Nous avons bien ouvert les vannes pour pouvoir avoir une idée globale de tous ceux-là qui aujourd'hui utilisent Internet comme canal de diffusion. Donc, que ce soit les sites adossés, que ce soit les pub players, le recensement concerne tout cet ensemble. Oui. Alors, est-ce que c'est seulement ceux qui ne se sont pas encore manifestés au niveau du réseau, en adhérant au réseau, qui vont s'inscrire, ou bien même les membres adhérents, je crois que vous devrez être autour d'une trentaine. Est-ce que c'est tout le monde? Alors, on est environ 30 membres adhérents au niveau du Repromed Bénin, mais ce recensement concerne tout le monde, y compris les membres adhérents. Parce que l'objectif final, comme je l'ai dit, c'est de mettre en place le répertoire, d'accord, des médias digitaux du Bénin, donc de tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, utilisent aujourd'hui Internet comme canal de diffusion. Donc, même nos propres membres, même qui sont membres du Repromed, on leur a demandé d'aller se faire recenser officiellement au niveau de la plateforme. Et je rappelle que le processus, ça a commencé Oui. depuis le 15 et ça finit le 15 prochain, donc le 15 août. Le 15 août Ouais. prochain. On a aussi été un peu étonné de constater que plus d'un an après la naissance de notre réseau, qu'il y a eu une telle initiative. Encore que c'est une initiative qui a entre autres comme objectif l'objectif du Repromed. Donc, tout de suite, on a essayé de mieux comprendre
les défis qui sont derrière cette initiative-là. Et ça, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est plus un regroupement rien que de Web TV. Lorsqu'on parle du numérique, lorsqu'on parle de médias digital, il faut reconnaître que c'est aussi une classification. On a la presse écrite, la presse en ligne, on a les web radios, on a aussi les web télévisions. Donc eux, ils ne sont que des web télévisions. Ils ont voulu se mettre ensemble, s'associer pour mieux défendre leurs intérêts, d'après ce qu'ils m'ont expliqué. Et mieux, on a quelqu'un qui ouvertement nous a dit non, en fait, si nous avions finalement créé encore, créé notre regroupement, c'est parce que nos organes ont connu leur naissance bien après la constitution de votre réseau. Et puis, bon, on s'est dit qu'on ne pouvait plus adhérer ou c'était fermé. C'est pourquoi on a voulu se mettre ensemble pour défendre nos intérêts. Mais je pense qu'il y a quand même des organes de presse en ligne, Web TV, qui étaient avec vous au départ dans le réseau, mais qui se sont retrouvés là-bas, donc je ne sais pas. Et puis la seconde question, Ouais. quand on dit Web TV unique et exclusivement, mais une presse en ligne regroupe tout ça. Je suis en même temps presse en griffe écrite. Mais je peux faire de la radio, je peux faire de la télé, et le site me donne tout ça. Alors, Non, c'est non, non. quoi le Déjà, il y a une classification au niveau de web télévision pure et dure. Ça dit quoi? Quand ta plateforme, c'est une plateforme de web télévision pure et dure, tu n'as pas cette possibilité-là de faire de la presse écrite. D'accord. Parce que déjà, la configuration, elle est faite en conséquence. Et même au niveau de ton hébergement, parce que en web TV, tu as besoin de plus d'espace Oui. pour héberger tes vidéos et Bien tout sûr. ça, quoi. Donc, quand c'est une web télévision en bonne et due forme, il n'y a pas tellement de place pour qu'on puisse avoir des pages de texte comme à la presse écrite. Alors, justement, parmi ceux-là, les initiateurs de cette initiative de web télévision, il y a un de nos membres, d'accord? Et il s'est dit qu'il n'a pas trouvé d'inconvénient par rapport aux objectifs que les initiateurs lui a présentés, que lui n'a pas trouvé d'inconvénient par rapport aux objectifs globaux du Repromed. Il s'est dit, bon, après tout, on est dans un état de droit, il y a la liberté d'expression, la liberté d'association. Donc, si des gens qui sont nés après la naissance du réseau ont senti quand même le besoin de se mettre ensemble pour défendre les intérêts précisément des web télévisions, que lui n'a pas trouvé d'inconvénient à s'associer à ça. Et je crois que c'est tout ça qui fait que, au niveau du problème d'aujourd'hui, on s'est dit, OK, allons dans un regroupement plus grand et plus fort, déjà permettons à tous ceux-là qui sont nés après, tous ceux-là qui exercent dans le métier depuis un moment, de se faire recenser. Une fois que le recensement se fera, ensemble, on verra comment travailler pour essentiellement faire développer le secteur. Et quoi qu'on dise, en tant que Repromed, nous sommes leaders dans ce secteur. Nous sommes les pionniers en matière de presse en ligne au Bénin. Et en tant que pionniers, on ne peut qu'accepter toute autre initiative qui vient après, quitte à trouver les moyens de tout recadrer pour éviter les dérives qu'on voulait éviter. Donc, essentiellement, pour cette question-là. Comme le nom l'indique, Oui. nous militons depuis quelques années déjà pour la promotion de tous les produits qui se font au Bénin, que ce soit dans l'agroalimentaire, la cosmétique, la mode, les textiles béninois, made in Bénin. Alors, on a cru bon depuis l'année passée. Nous avons fait la première édition l'année passée. Nous avons cru bon. Inviter la population béninoise à venir découvrir ces produits-là parce que depuis quelques années déjà, les mentalités sont en train de changer. Vous allez remarquer dans notre quotidien, nous essayons
d'aller vers les produits qui sont faits chez nous. Ce n'est pas encore comme on le veut, mais ça se fait déjà petit à petit. Alors, les innovations et délices du 229, innovation parce que chaque jour, nous avons des jeunes qui innovent, qui entreprennent. Les start-up naissent et ils essaient toujours de créer quelque chose, d'utiliser déjà ce que nous avons l'habitude de manger, qu'ils essaient de valoriser, de transformer ou carrément d'innover, d'avoir d'autres idées. Donc c'est de là qu'on a parlé d'innovation. Et les innovations, c'est de pouvoir présenter des promoteurs de produits locaux. Délice, le côté délice du 229, c'est le côté découverte de nos saveurs du Bénin, de la cuisine béninoise. Et on a mis les deux ensemble et on l'a déjà fait l'année passée. Cette année, c'est la deuxième édition. Donc voilà. Alors, en quoi est-ce que les innovations et délices du 229 peuvent promouvoir valablement la consommation locale au Bénin? Alors, je disais tantôt que depuis quelques années, on a commencé la promotion du Made in Bénin. Oui. Sur notre... On a démarré une promotion virtuelle, c'est-à-dire on a une page Facebook depuis à peu près 3 ans. C'est sur cette page-là qu'on a démarré la promotion de tout ce qui se fait au Bénin. Donc petit à petit, ça a pris. Les gens s'intéressent, même ceux qui ne sont pas au Bénin, qui sont à l'extérieur, ils sont étonnés de voir ce que les jeunes réalisent au pays. Donc dès que les promoteurs se rapprochent de nous pour pouvoir faire publier leurs produits, leurs innovations sur notre page. Donc c'est dans ce canal que nous faisons la promotion des produits Made in Bénin. Oui. Donc depuis 2 ans, qu'est-ce que vous avez dégagé comme diagnostic? L'état des lieux. Oui, je le disais aussi tantôt, l'état des lieux, c'est que les mentalités sont en train de changer. Vous voyez? Parce que par exemple, si nous prenons le riz, nous avons du riz produit au Bénin. Il y a plusieurs marques qui produisent du riz. Et de plus en plus... Le riz Matéko du Grand Popo, par exemple. Voilà, il y a le riz produit... Il y a aussi à Grazoué, je crois. Produit par Dinoukou également. Voilà. Nous avons Délice. Nous avons remarqué que, comparativement à il y a 5-10 ans, le Bénois peut acheter le riz du Bénin et le consommer normalement. Le Bénois va vers les produits du Bénin. Donc, l'hégémonie des marques extérieures est en train de prendre un coup petitement, donc de s'effriter. Donc les mentalités changent spontanément, les Bénois vont vers les produits qui sont fabriqués chez eux. Donc voilà un peu le travail qu'on fait. L'idéal, c'est de pouvoir aller dans tous ces secteurs-là, l'idéal. Mais pour le moment, étant donné que cette volonté de promotion du local est uniquement à la force de nos bras, il n'y a pas d'accompagnement. Vous savez comment ça se passe dans le pays. Donc, nous avons démarré pour le moment avec uniquement les start-up qui sont dans l'agroalimentaire, qui sont dans la cosmétique bio, parce qu'il y a des cosmétiques qui se font avec, de manière... Non, de manière bio. Par exemple, il y a Origine Terre, voilà, qui est une grande marque qui est en train de prendre actuellement. Voilà, et il y a beaucoup même de Bénois de la diaspora qui achètent sur les plateformes de distribution. Vous voyez, donc il y a la cosmétique bio qui se fait, il y a aussi les textiles. On est aussi dans les textiles, le canvo, parce que quand on dit le was, je le dis toujours, le was n'est pas africain. Pas du tout. Le was n'est pas africain. Le was est fabriqué en Chine ou en Hollande ou en Turquie et nous, on nous fait croire que c'est africain, on nous balance ça, alors que ce n'est pas africain. Les tissus africains, c'est le canvo. Au moins chez nous au Bénin, c'est le canvo. Donc on s'investit avec quelques promoteurs, également des stylistes qui sont avec nous pour proposer le canvo pour que ça soit porté de différentes manières, pour attirer quand même
tout le monde, pour fédérer tout le monde autour de ce label consommation locale. Voilà. La logique qui sous-tend la décision de Mme Claudine Prudencio de saisir et publiquement très tôt cette main tendue pour le dialogue, c'est quoi? C'est que là encore, elle a sorti une série de déclarations, même dans des moments où on annonçait l'hécatombe pour le pays. On annonçait des sorties d'opposants qui allaient mettre le pays à feu et à sang. Le vocabulaire était devenu guerrier sur les réseaux sociaux. Elle est sortie à faire un message court mais poignant à Cotonou pour dire « revendiquons tout ce que nous voulons revendiquer ». Je revendique moi-même les intérêts de mon parti qui doit être reconnu, qui doit avoir les papiers et participer. Mais jamais un acte qui met en péril la paix. Avant le 15 mai, installation de l'Assemblée nationale ou fin de mandature de la 7e, l'UDBN, par la voix de sa présidente, était le seul parti qui disait « Le dialogue politique là doit même démarrer avant l'installation du Parlement, si on doit l'installer. » Mais vous demandez dialogue politique, vous demandez dialogue politique et vous en demandez suffisamment. Le premier magistrat qui forcément a un rôle, une volonté politique à exprimer pour que le dialogue soit, il dit dans un discours officiel « Je tends la main à tous les acteurs politiques de l'opposition comme de la mouvance et tous ceux qui peuvent contribuer à ce dialogue pour que notre vivre ensemble politique et social puisse être amélioré. » Le président dit ça et vous refusez d'accepter cette main. Bon, est-ce que vous n'avez pas là un problème de structuration mentale? D'accord? Vous devez. Et dans le discours que Mme Claudine Prudencio a tenu à Cotonou, au champ d'oiseaux, pour saisir officiellement cette main tendue. Reprenez encore ce texte. Vous verrez dedans qu'après avoir saisi cette main tendue, elle a ajouté « Nous réclamons au chef de l'État que les actes soient joints à la parole et qu'on y aille très vite. Dites-moi où se trouve le péché. Il y a de la logique. Si elle n'avait pas réclamé ça, quand on donne ça, elle peut rester muette. Mais elle a réclamé, on a tendu la main, elle dit, ok, vous voulez qu'on discute, je suis d'accord. Et elle était en droit de réclamer, on n'a pas besoin d'être parti de l'opposition. Et tous ceux qui pensent que la main était tendue seulement aux opposants n'ont qu'à s'arrêter, ils n'ont qu'à donner leur opinion après avoir repris les faits comme tels qu'ils étaient. Donc à partir de ce moment, tout ce qu'elle fait et tout ce que ce parti fait, ça suit une logique. Ce n'est pas des gens qui sont parfaits, qui sont à l'UDBN. Ayons la modestie de dire qu'on peut faire des choses qui peuvent avoir des aspects à améliorer, ouverts à la critique, à l'observation. Mais quand ce qu'on fait suit la logique, souffrez qu'on vous dise que c'est ça. Donc, dire, est-ce que c'est mauvais de dire « j'accepte la main tendue pour le dialogue que je réclame et je veux qu'on aille vite ». Je veux que les actes soient joints à la parole pour qu'on ait un résultat concret. Voilà ce qu'elle a dit. Bon, le PRD, je crois, avait eu jusqu'au certificat de conformité. C'est d'autres erreurs notées par la Sénat qui avait concouru à l'élimination du PRD. Non, les autres qui n'ont pas eu, honnêtement, je l'avais déjà dit, ils font leur démarche en direction du ministère de l'Intérieur. Vous avez dû apprendre qu'il y en a qui ont dit ce que le ministère demande là. À eux particulièrement, ils ne peuvent pas le faire. Le débat continue entre eux. Est-ce que l'UDBN doit dire mon récépissé définitif que je mérite et que vous m'avez donné là? Non, gardez ça d'abord. Quand ils seront prêts, on va faire cérémonie pour recevoir ces prestations de serment. Non. Donc c'est individuel. Oui, c'est et c'est ce que dit la loi, quoi. Le gouvernement, même si le chef de l'État a envie de faire ça aujourd'hui, la loi va l'en empêcher. Seulement ce que nous souhaitons, nous tous, et c'est là où on est en phase, c'est qu'il faut que ces choses aillent très vite. D'accord? Pour que, si quelqu'un le mérite, il puisse l'avoir. Et que l'animation de la vie politique
puisse continuer. Je pense que c'est ce qui est préoccupant pour nous tous, parce que le Bénin a besoin de tous ses enfants. Mais nous sommes dans un état de droit. Il y a des institutions qui sont chargées d'apprécier tel. Si le ministère de l'Intérieur est chargé de dire ça, ce n'est pas à moi de dire à sa place. Ce n'est pas la présidente de l'IDBN de dire à sa place, c'est le ministère qui dit. C'est d'ailleurs le ministère qui disait, qui a dit et qui continuera peut-être de dire. C'est pourquoi en temps, alors que l'IDBN criait que j'ai fait là, l'IDBN n'a pas pu se signer lui-même récépissé ou certificat de conformité. Donc vous comprenez que on ne peut pas grand chose. L'IDBN n'a pas pu trouver sa place entre UP et BR. Non, l'IDBN avait sa place, à sa place et continuera d'avoir sa place. L'UDBN ne porte pas, s'il y a des misères que l'UDBN a eu à vivre, l'UDBN ne les met pas, ne cherche pas des boucs émissaires. D'accord ? L'existence du Bloc républicain, l'existence de l'Union progressiste ou d'autres partis, ça ne dérange pas l'UDBN. Ça ne commande pas le fonctionnement de l'UDBN. L'UDBN s'est battu pour avoir son récépissé définitif. C'est l'essentiel. Vous savez, il n'y a de limite que celle que nous nous fixons nous-mêmes. Si la présidente de l'UDBN n'était pas une femme qui était digne d'être appelée Amazon, qui savait se remettre debout toutes les fois qu'elle recevait des coups, on n'en serait pas là. Parce que sur le parcours, à un moment donné, il y a eu certains qui avaient failli être dominés par le doute. Mais elle était toujours là pour dire, ah non, les gars, restez debout, on continue. Et lorsque c'est arrivé, aller dans les structures de l'UDBN aujourd'hui, les gens, c'est un ouf de soulagement. Et très rapidement, ils se sont dit, bon, ok, comme on n'avait pas lâché l'affaire, on continue, c'est sur le terrain qu'on nous attend. Et des échéances sont là pour que l'UDBN démontre tout le bien qu'on pense de lui. Et fasse mentir ceux qui veulent réduire l'UDBN dans un espace donné, ceux qui veulent réduire l'UDBN dans la catégorie des effets d'annonce qui ne donneront pas grande chose.